C'est tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur la marque ELF. Donc j'ai pas mal de produits de la marque, de quoi faire un maquillage entier. Il me manque juste quelques petits produits, mais j'ai l'essentiel on va dire. Donc voilà, ils m'ont envoyé certains produits gratuitement. Il y avait des produits que j'avais déjà reçus gratuitement, mais il y a pas mal de temps, et des produits que j'avais déjà achetés. J'aime beaucoup cette marque, j'avais déjà testé. J'ai jamais été déçue en fait par eux. Il vaut mieux commander la gamme Studio, et ça reste vraiment vraiment pas cher. Nous avons également un autre site de bijoux qui marche avec en fait. Et quand vous vous connectez sur ELF, vous avez le site. J'avais déjà reçu deux bracelets, je vous mettrai une photo ici. Voilà, je trouvais ça intéressant en fait de faire une vidéo sur une marque de maquillage pas chère, parce que là c'est vraiment 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 pas cher. Et voilà, je trouvais ça intéressant parce que tout le monde n'a pas forcément envie de dépenser des tonnes dans du maquillage. Du coup, je me suis dit que je pourrais faire ce genre de vidéo régulièrement si ça vous plaît. Et donc voilà, je le ferai peut-être aussi pour les vêtements. J'ai pas les cheveux gras, hein, j'ai juste les cheveux mouillés parce que je viens de me les laver. Et donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par s'hydrater les lèvres et la peau. J'utilise déjà cette crème donc de chez L'Occitane que je vais mettre aux endroits qui sont vraiment très secs et autour des yeux. Ensuite donc je vais mettre cette lotion là de chez Garnier, donc c'est de la gamme Pure Active Sensitive. Donc là actuellement il y a toutes les rougeurs et les boutons qui ressortent, c'est dégueulasse. En attendant que ça sèche et que ça pénètre dans la peau, je vais hydrater les lèvres. Donc j'hydrate juste avec un baume à lèvres Cica bien fine. Je viens prendre cette crème là, donc c'est toujours la même gamme, une crème qui hydrate et qui aide à enlever l'acné en même temps. Sur les joues, j'ai énormément de cicatrices, donc je pense pas que ça marche pour ça. Mais j'ai quand même quelques boutons à d'autres endroits. Ensuite, donc, je vais en prendre une base. Donc, j'en ai pas de LF, mais je vais prendre une NYX, voilà. Ensuite, donc, je vais juste prendre une palette de chez Maybelline, donc pareil, ça j'en ai pas de chez ELF, j'y ai pas du tout pensé. Donc voilà, j'utilise ça en ce moment, donc là je vais l'utiliser pour pouvoir faire une meilleure comparaison avec le maquillage que je fais d'habitude. Donc voilà, on va pouvoir passer au produit de chez ELF. Donc je vais utiliser ce fond de teint là, c'est le Oil Free pour les peaux à tendance grasse en fait. Ouais, donc la teinte elle est comme ceci, donc c'est à mon avis trop foncé. Quand je l'étale ça va. Donc deux pompes ça suffit. Il est assez liquide, il est bien, facile à estomper et tout. Après la couleur elle est un peu trop jaune pour moi. Mais voilà, je vous donnerai un avis final à la fin parce que je vais peut-être changer d'avis au fur et à mesure de la vidéo. Le fond de teint, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de cernes, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez même pas besoin d'anti-cernes parce que je trouve que ça cache assez bien quand même, alors que moi j'en ai des vraiment très violettes. Ensuite, donc il y a cet anti-cernes là, sauf que je l'ai déjà swatché et en fait il est beaucoup trop foncé. Mais du coup, je vais utiliser celui que j'utilise au quotidien qui est le By Terry. Voilà pour ça, ici ça tient pas très bien le fond de teint parce que j'ai la peau sèche, mais c'est pas à cause de ce fond de teint là, ça me le fait aussi avec mon Dior. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc pour les sourcils j'ai reçu cette palette, enfin ce coffret on va dire à sourcils, qui se présente comme ceci. Donc je sais pas trop ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que là en fait il y a un crayon avec un goupillon de l'autre côté. Là il y a un pinceau avec trois poudres ou cire, je sais pas trop. Là il y a une pince épilée et là il y a des pochoirs en fait à sourcils. Donc les pochoirs, je ne pense pas que ça ira. Alors le goupillon, il a l'air pas mal, il ressemble au Anastasia Beverly Hills. Mais il est bien. Donc les crayons, j'ai pas du tout l'habitude d'en utiliser. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais en fait, j'ai pas l'habitude parce qu'avec le Deep Brow, je fais juste le dessous et ensuite je remonte avec le goupillon. Donc le crayon est très bien. Après, en fait, je trouve que c'est plus facile genre de faire certains endroits du sourcil, on va dire, avec un crayon. Par contre, c'est beaucoup plus long qu'avec le Deep Brow, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude aussi. Mais donc voilà, je suis assez contente. Le goupillon est très bien aussi. Pour fixer, par contre, j'ai rien de chez ELF, donc je vais fixer avec mon
truc Anastasia Beverly Hills. Donc juste avant de faire les yeux, je vais poudrer mon visage. Donc j'ai pas de poudre de chez ELF. Je vais prendre celle que, enfin les deux que j'utilise tous les jours. Et au final, je trouve que là, le fond de teint, la couleur, elle est bien. Donc j'ai pas de base de chez ELF. Enfin, j'en ai plus. J'en avais une qui était à 5€, il me semble, ou 3€, je sais plus. Mais je l'avais finie. Au niveau des yeux, j'ai cette palette là que j'avais reçue avec Octoly. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme maquillage. Donc je vais prendre d'abord un rose pâle mat. Ensuite je vais prendre un rose brillant. Ensuite donc je vais prendre une couleur un peu plus foncée avec un pinceau estompeur. A chaque fois que j'estompe, je prends le blanc en fait ici. Je vais prendre le brillant ici là. Je vais insister en fait au ras de cils pour essayer d'agrandir l'œil en fait. Donc je vais revenir prendre le rose ici et je prends un tout petit peu de marron ici. Donc voilà pour les yeux, c'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Du coup je vais passer au mascara. Donc c'est ce mascara, il est juste génial. Par contre si je me loupe aujourd'hui, je suis deck parce que je me suis jamais loupée avec. Donc voilà ce que ça fait pour ce œil là, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais bon là, j'ai déjà fait mieux avec ce mascara. Donc voilà, on va laisser comme ça, on va faire l'autre œil. Vous voyez déjà la différence entre les deux yeux. Donc voilà pour le mascara, je l'aime trop. Si j'ai bien un mascara à vous recommander, c'est vraiment celui-ci parce que j'ai pas des cils super longs, super épais, etc. Ni facile à travailler, enfin c'est le mieux que j'ai testé de toute façon. Et pourtant j'en ai testé vraiment beaucoup et voilà, je l'aime trop. Et je trouve qu'en fait le résultat, ça se rapproche un petit peu du Roller Lash de Benefit, mais le prix est bien moins cher. Ensuite donc pour le teint, j'ai plusieurs produits, enfin pour le contouring. Tout d'abord cette palette, voilà. De contour qui est très très bien, j'utilise super souvent. J'aime trop les produits contouring de chez ELF, ils sont hyper faciles à travailler je trouve. Et voilà, je les utilise vraiment souvent, en ce moment j'utilise celle-ci, j'utilise beaucoup le blush là, j'aime trop. J'ai le blush en stick comme ceci, donc ça ça vaut 1€ ou 1,50€ je crois. Je vais utiliser le blush qui est dans la palette là parce que j'aime trop et j'aime trop ces couleurs là en ce moment. Et le blush en fait il ressemble vachement au Orgasm de chez NARS je trouve. Donc voilà pour le blush, on va s'arrêter là et je le trouve juste magnifique parce qu'en fait il fait pas trop rose et j'aime pas les blushs qui se voient trop. Et puis donc pour le contouring je vais utiliser l'autre palette du coup. Donc voilà le résultat, c'est pas trop voyant mais ça a son résultat quand même, enfin ça a son efficacité on va dire. Donc pour la lighter j'en ai pas, donc du coup je vais utiliser un de la palette de chez Primark, voilà. Parce que c'est des prix à peu près égaux. Donc j'ai mis ce rouge à lèvres. Donc voilà, c'est un marron qui est censé être mat, sauf qu'il n'est pas mat. Donc voilà, et c'est le dark brown. Voilà, de toute façon, vous aurez un lien en barre d'infos. Je l'ai mis avec ce crayon-là qui est un crayon nez joli. Et voilà ce que ça donne. Après, là, je vais pas le garder parce que j'ai envie de mettre un truc plus naturel pour ce soir. Mais voilà ce que ça donne en tout cas, et je l'aime bien. Après c'est vrai que ce genre de couleur là j'ai voulu essayer mais genre j'ai un peu de mal à les porter quand je sors en fait. Donc voilà pour ça. Et donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre avec d'autres marques ou avec des vêtements aussi. J'ai prévu d'en faire avec Shein bientôt. Ce sera pas exactement pareil, vous verrez bien. Mais voilà, dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vous fais découvrir une marque. La seule déception en fait c'est l'anti-cerne. Mais voilà, sinon j'ai quand même... utilisé pas mal de produits de chez ELF et je les ai tous aimés. Et le fond de teint au final je suis assez surprise en fait, parce qu'au départ je me suis dit que la couleur allait être beaucoup trop foncée, mais au final bah ça va, je vois pas trop de différence en fait. Je pense que j'utiliserai de temps en temps. Donc voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, bye.